Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Space Crew Legendary Edition. Alors j'avais pas prévu du tout prévu de vous faire une vidéo sur ce jeu, mais c'est vrai que j'ai pu l'avoir à un prix vraiment très réduit. Donc je me suis dit, je l'ai lancé et quand j'ai vu que en fait il était vraiment très intéressant ce jeu, je me suis dit bah il faut que je leur fasse une vidéo pour vous montrer pour leur montrer un petit peu ce qu'il en ressort quoi. Alors on fera pas une nouvelle partie très sincèrement parce que au moins au stade où j'en suis je suis pas très élevé, mais j'ai fini le tutoriel, voilà, j'ai déverrouillé toutes les missions en fait, tous les styles de missions, et comme ça je vais pouvoir vous montrer deux styles de missions. Les missions chasse et les missions exploration. Elles sont vraiment très 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 sympas, les missions exploration. Alors, on va charger une partie. Donc on va reprendre celle-là. Donc voilà. Ici on tombe sur la cafétéria. Donc voilà, ni plus ni moins, vous avez vos petits bonhommes qui évoluent dans la cafétéria. Bon bref, on s'en fout. On va dire que c'est un petit peu la vitrine du jeu. Je trouve que c'est vraiment très fort. On va se baisser la musique. On baisse un petit peu tout. Là. Voilà. Voilà. Et on fait un retour. Donc, ça, c'est mes petits bonhommes. Ah, je savais pas qu'ils se trimbalaient là, mes petits bonhommes. Ok. Alors, donc, vous allez avoir. À la base, vous allez tomber sur la cafétéria. Donc, vous avez votre vestiaire qui est ici. Vous savez que vous avez vos petits bonhommes qui sont là. Voilà. On peut leur changer leur équipement. On peut aussi les personnaliser. Alors moi je les ai un petit peu personnalisés. Voilà, je les ai changés. J'ai pas changé les noms, mais je les ai personnalisés. Et vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi. Donc leur changer les équipements avec ce que vous gagnez et ce que vous déverrouillez, à savoir qu'il va vous falloir des points de recherche pour déverrouiller certains objets. Comme par exemple là. Il me faudrait 8000 points de recherche pour pouvoir déverrouiller cet item là. Et c'est partout pareil. Il vous faudra des points de recherche. Donc là, pour les points de recherche que vous les avez, vous cliquez, ça se déverrouille. Donc, après, vous avez ça sur tous vos petits personnages. Vous avez l'entraînement. Voilà. Où c'est que vous pouvez faire apprendre à vos petits personnages. Des compétences secondaires. Voilà. Là, pour l'instant, ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas encore les levels. Ils sont petits. Donc, la première compétence, elle sera au niveau 4 pour le capitaine. Pareil pour pour l'officier de communication. À lui, niveau 6. Vous voyez, vous avez plusieurs niveaux. Niveau 12, etc., etc. À savoir que durant l'aventure, vous pouvez les perdre. Ils peuvent mourir. Donc vraiment faites attention. Après vous avez votre vaisseau. Voilà. Alors là où c'est vraiment très très bien fait. Alors j'ai fait mon petit skin. Voilà. Alors vous allez avoir pareil des blindages. Alors ce blindage là je l'ai déverrouillé dans l'aventure. Tout simplement. Et toujours pareil, vous allez avoir des points de recherche pour déverrouiller différents blindages. Donc le blindage avant, le blindage supérieur, le blindage inférieur et le blindage arrière. Voilà. Vous avez également de quoi changer votre chargeur de bouclier. On va l'appeler comme ça. Oui, c'est un chargeur de bouclier, pardon. Voilà. Donc lui, il va vous permettre de pouvoir générer plus de boucliers. Voilà. Voilà, il génère des boucliers qui se rechargent lentement. Voilà. Plus vous allez l'avoir évolué, plus vous allez avoir vos boucliers qui vont se recharger. Alors, pareil, vous avez le générateur d'oxygène, vous avez le réacteur équilibré.
Alors, le réacteur de base équilibré, il n'est pas très robuste et son rendement est faible. Donc ça, c'est un réacteur nucléaire, parce qu'il est nucléaire, qui va vous permettre de pouvoir générer l'électricité dans votre petit engin. Après, vous allez avoir l'infirmerie que vous pouvez faire évoluer, évidemment. Donc, qui va vous recharger plus vite qui va soigner vos petits bonhommes. Voilà, je pense à autre chose. C'est pour ça que je bafouille un peu. Partout pareil pour les plasmas, pour le moteur, pour les capsules de sauvetage, pour l'équipement, pour la livrée. Donc la livrée, vous pouvez la personnaliser. Alors moi je l'ai personnalisée, j'ai mis des couleurs un peu space. Voilà. Vous pouvez tout personnaliser. Donc moi je l'ai personnalisé. Vous pouvez changer les noms. Vous pouvez faire plein de choses. L'équipement pour l'explo. Donc ça c'est quand vous allez en exploration, en fait vous allez avoir un équipement auquel il peut changer un peu d'équipement. On va pas faire trop d'achats parce que oui, je me suis un peu pelé quoi. J'ai fait pas mal de choses. J'ai changé pas mal de choses dans le vaisseau. Voilà, l'équipement vous l'avez là et vous allez pouvoir changer les équipements dans votre vaisseau. Voilà. Alors il y a une chose que j'ai pas essayé. Pour ça, il faudrait laisser un casier vide. C'est faire prendre un item à un personnage et voir s'ils peuvent le déposer dans le vaisseau sans passer par cette case, par la case équipement. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas du tout. Ok. Donc là, nous, on est bon. Ok. C'est les monteurs. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Vous avez donc vos livrets où c'est que vous pourrez changer les skins de vos engins. Voilà, moi j'ai fait mon propre skin. Mes trucs là. Bref. Et vous allez avoir donc le recrutement où c'est que vous allez pouvoir recruter des nouvelles recrues quand ils meurent. Éviter de les faire mourir. Et vous allez le dernier, bon je l'ai sauté, ben, la cafétéria on l'a vu, les vestiaires on l'a vu. Voilà. Et vous changez les items sur vos petits personnages. Hein. Voilà. L'entraînement on l'a vu, le vaisseau on l'a vu. Et maintenant on va aller voir les missions. Alors là j'en ai déverrouillé pas mal de missions. Alors escorte, éliminer des forces dans risque moyen. Éliminer force attaque, risque faible, sauvetage, voilà. Alors nous on va faire celui-là. Parce que j'ai pas fait les risques moyens, j'y suis pas allé encore. On va faire celui-là. On va l'accepter. Et je vais vous expliquer maintenant comment ça se passe à l'intérieur du vaisseau. Alors j'essaie de faire assez vite. Alors ici, vous allez avoir chaque petit bonhomme qui vont avoir leurs propres compétences. Bon, ça c'est le pilote, hein, donc on peut le décoller. Ça c'est donc alors, je sais plus comment on l'appelle, quoi. Voilà, c'est bref. Comment je l'appelais celui-là? Merde. L'agent de sécurité. Voilà. Ça c'est l'agent de sécurité. Donc pareil, il a ses propres compétences. Donc lui, il peut purger par exemple l'appareil de façon à jeter toute la cargaison, bref, pour éviter à ce qu'il y ait des incendies ou des choses comme ça. Parce que vous pouvez avoir des incendies dans votre petit vaisseau. L'agent de communication, donc lui, il affiche la carte. Voilà, c'est la communication, hein. Le pilote qu'on a vu, l'agent. Donc l'ingénieur, donc c'est lui qui va s'occuper de réparer tout le vaisseau. Savoir que vous pouvez le faire réparer par n'importe quel petit bonhomme, mais ce sera plus lent. Et après, vous avez donc on va éviter de le faire déplacer. Vous avez donc l'engineer. Pas l'engineer, bref. Et vous avez voilà. Bon, le tireur, voilà, le type, putain.
Vous avez le tireur, donc vous avez deux tireurs là. Vous pouvez les déplacer où bon vous semble. Vous pouvez leur faire prendre du matériel, comme vous voulez, des instincteurs. Alors moi j'ai choisi un petit peu cette config là. J'ai mis des instincteurs, bah, j'ai essayé d'équilibrer en fait. Là j'ai mis deux guns, mais là ce que je pourrais faire c'est ça par contre. Alors on va faire une chose comme ça, je vous montre un petit peu. Alors on va prendre le stuff avec lui. Voilà, lui il a pris le stuff. On va aller ici. Parce que à chaque fois que je sortirai, j'ai pas de gun en fait. On va aller là. Avec le tireur. Hein. On va lui faire prendre un gun. Donc il va prendre le gun. Ah, il pose la combi. Ok. C'est parfait. Et on va aller poser le gun à l'intérieur. Voilà. Alors je pense que c'est plus facile pour vous de. Il a pas pris le gun ou quoi? Si, si, il a le gun. Hop, attends. Ouais. Ah bah il l'a posé, je l'avais pas vu. Hop, lui il va reprendre sa place du tireur. Voilà, il est reparti prendre sa place du tireur. Donc, là on a fait un petit peu le tour. Donc là on a les différents points vitaux de l'appareil. Donc sachant que les réacteurs peuvent prendre des dégâts, la capsule de sauvetage peut prendre des dégâts si jamais on doit s'éjecter. C'est pour ça que je pars au moyen parce que j'ai pas envie de perdre le vaisseau. Ça va coûter de l'argent, pareil, de le refaire. Donc là, vous avez donc c'est tout ce qui est alors ça c'est le bouclier, le chargeur de bouclier. Ici, l'aimant d'extraction qui est là. Le réacteur nucléaire qui est ici. Et puis voilà, hein, en gros. Donc là, nous, on va faire un décollage. Alors, j'essaie de faire pas plus de 30 minutes. Alors, donc là, la première chose que vous avez à faire, donc c'est atteindre la destination de 5 Cooper Alpha. Donc là, on va se mettre en vue comme ça pour cibler, pour vous donner la navigation. Donc vous faites sur la molette de la souris, vous appuyez la molette de la souris. Moi je l'ai là, mais je crois que sur certains c'est sur espace. Voilà, vous pouvez faire sur espace, moi je l'ai mis là. Donc là nous on va là, hop, vous ciblez et l'appareil, le vaisseau va y aller automatiquement. Vous faites backspace pour accélérer. Voilà. Une fois que vous y êtes, on va attendre qu'il y arrive. Voilà, là il va graviter tout autour, en fait. Il va tourner autour, vous voyez. Donc nous on repart de là. On charge nos moteurs pour l'hyperdrive. Voilà. Une fois qu'on a notre hyperdrive chargé, vous voyez, ça m'a bouffé toute l'énergie parce qu'il faut vraiment que je le booste. Alors, si vous avez toute votre énergie claquée, lui, ce qu'il peut faire, c'est remonter l'énergie. Donc, vous boostez l'énergie. Voilà, vous lui boostez l'énergie. Mais je pense que, voilà, c'est bon. Donc, là, lui, il va booster l'énergie. Vous voyez, il a remonté l'énergie. On a encore notre manquement d'énergie parce que tout simplement, l'hyperdrive, ça va pomper. Et on va sauter. Et on saute. Donc là, on a déjà nos cibles. Donc on se remet avec espace en vue comme ça. En vue RTS. J'ai envie de dire que ça, c'est un petit RTS. Et vous ciblez. Clic gauche. Pour vraiment engager et locker la cible. Alors des fois il y en a qui se collent autour de votre coque. Là ils sont vraiment nombreux. Là on les cherche, on prend le plus près. Hop, celui-là. Hop. Vous voyez ceux-là?
Alors ceux-là, il faut en priorité, il faut vraiment les péter. Parce qu'ils se collent sur votre coque et ils vous déglinguent tous les... Voilà. Hop, hop, on va tous les loquer. Là. On va loquer celui-là. Donc on va se concentrer sur lui. Ah ouais, mais il y a un boss. D'accord, ok, il est là. Ah ben c'est le premier boss que j'ai, les amis. Hein. J'ai pas eu de boss encore. Alors là, par contre, je crois qu'on va d'abord se concentrer sur cela. Hop, les dégâts commencent. Alors lui, ben, c'est son taf, hein, il va réparer. Voilà. Là, il repart à sa place. Là, ok, nous on est toujours bon. Hein. Alors voilà, 3 de bouclier au cul, là on va commencer à prendre des dégâts par contre. Alors lui, ce qu'on va faire, on va le booster. Est-ce que je peux le booster? Non, il recharge. Comme ça, ça aurait permis... Oh putain, j'ai plus de bouclier sur les côtés là. C'est bon, les boucliers remontent un petit peu. Là, on redescend sur nos boucliers. Donc là, il faut réparer. Là, d'abord le réacteur. Hein. Ça, c'est le plus important, le réacteur. Ok. Alors, on va essayer de le mettre là. Ah, j'ai un incendie, là. Ouais, j'ai pas le... Ah là, et vous avez vraiment l'action. Là. Éteindre le feu. Allez, on va éteindre le feu. Il part pas du bon côté. Si. Donc lui, il va éteindre le feu. Hein. En attendant, on a nos boucliers qui se sont rechargés. Vous voyez, vous avez quand même une gestion de l'appareil. Alors, attends, ce qu'on va faire avant, on va aller... Je voulais le soigner, mais je peux pas. On se fait attaquer sur le côté, donc lui va prendre la tourelle. Alors, vous voyez, ceux-là, là, quand ils sont collés sur le bord, là... Là, et ben, il nous manque le boss, est-ce qu'on l'a eu? Bien du dire que oui, parce qu'on le voit plus là. On a dû le claquer, mais on l'a pas vu. Ouais, parce que je me suis occupé à faire la maintenance sur l'appareil. Alors là, avant d'y aller, non, on va regarder ce qu'on doit réparer dans l'appareil, parce que vous avez quand même une gestion de l'appareil à faire. Donc lui, il va aller se soigner. On va le remettre au niveau de la gestion là, savoir que j'ai dû prendre un coup sur la coque là. Là. D'accord. Non, tu reviens là, toi, par contre. Là, lui, bon, ça va encore sa vie. Par contre, ça, non. Non, j'accepte pas ça. Vous voyez, les items, en fait, il faut vraiment les reposer. Là, et il l'avait pris ici. Donc, on va lui faire poser l'item. Voilà, on va le remettre là. Voilà. Donc là, à partir de là, ben, on n'est pas trop mal. Hein.
On a notre réacteur qui est optimal parce que s'il pète, vous avez des radiations. Et on gravite là. Donc on s'est approché. Hop. On va aller voir. Tac, on charge. Donc là, on a des astéroïdes. On est au milieu des astéroïdes. Hop. Et nous, on doit aller, on doit aller où? Mais ils ont pas du spawn encore, je pense. Hop, ils arrivent. Ils sont là. Alors, j'ai oublié de l'affecter à la tourelle, l'ingénieur. Non, c'est moi l'ingénieur en fait, hein, je me suis refait un skin. Alors ça, c'est toujours casse-pied. Faudrait qu'il tourne. Voilà, il va prendre de la distance, c'est très bien. Alors je baisse juste un petit peu le son parce que j'ai les musiques vraiment élevées, très élevées. Là. Voilà, ça baisse un petit peu comme ça. Alors, j'en ai qui sont coulés comme lui là. On va le soigner lui direct. Hein. Alors j'ai monté sur l'engin en fait, sur le vaisseau. Je l'y ai monté. Je lui ai monté en fait une tourelle qui pète les boucliers et une autre qui pète les quoiques. Voilà, c'est pour ça qu'on voyait deux à... Voilà, donc lui, voilà. C'est bon. Par contre là je suis rouge, vous voyez. Donc ça je pense que ça va être réparé une fois que... Je sais pas si ça redevient vert. Si ça arrive à fond, voyons. Allez, on va regarder si ça vient vert ou pas. Non, ça vient pas vert. Donc là vraiment j'ai des dégâts. Et ça je pense que ça se répare quand vous allez à la base en fait. Ok, alors nous, retourner à la base, voilà, on a fini la mission, donc on va retourner à la base, vers la base, on est ici, on est juste à côté, hop, lui, on va le mettre là, on va le charger, donc vous voyez, vous mettez tout rouge hein, quand vous chargez l'hyperdrive. Une capsule de sauvetage UFD a été détectée à proximité. Nous serons reconnaissants de nous aider à la récupérer. Ben on va la récupérer parce que voilà, vous pouvez récupérer des capsules de sauvetage aussi. Hein. Oui. Allez où? Récupérer l'objet facultatif, mais je le veux. Ah, il est là. Ok. Donc on va se bloquer dessus. C'est pas là. Et c'est ici. Au milieu des astéroïdes. Comme ça, on va prendre un maximum de crédit. Aïe. Là,
Aïe. Alors là, il va graviter autour. Maintenant, on va prendre notre ingénieur qu'on va venir amener sur le rayon tracteur. Et on va lui faire récupérer donc l'objet qui nous intéresse. Voilà, là il est dedans. Hein. Hop, il y a un petit bonhomme à l'intérieur qui vient s'asseoir dedans. On peut l'éjecter si on veut. Allez, on va venir le remettre ici. Voilà. La base, elle est là. Allez, on va charger tout ça. En avant. Et on est parti. Là, vous loquez la station orbitale. Voilà. Et il va venir y rentrer tout seul dedans. Une fois qu'elle est loquée, il rentre dedans. Votre rapport de mission, force éliminée, 1500. Prime du champion. Ah, il s'est barré. On l'a pas eu, les amis. Hein. La prochaine fois. Continuez. Là, voilà, c'est les levels des petits bonhommes. Alors, je sais pas s'ils en ont pris. Oui, un petit peu. On continue. Alors là, ça c'est des items qu'on a déverrouillés. Donc on a déverrouillé une combinaison anti-radiation légère pour ça. Contre-radiation, mais il ne faut pas lui en demander plus. Un canon automatique V2. Ah, ça c'est cool. On va aller les équiper. Hein. Voilà, donc la tenue anti-radiation qu'on a dans l'entraînement, évidemment, hein, forcément. Donc on va pas l'équiper parce que pour l'instant elle nous intéresse pas. Non, je fais de la merde, c'est là. Voilà. Hop. Et profil personnalisé, on fait la anti-radiation. Et là, c'est très bien, très mignon, ça me coûte 35, bon, c'est pas ouf. Après, il y a de belles tenues. On la mettra pas. Deux vaisseaux, ça c'est ce qui va vraiment nous intéresser. Puisque on va booster notre armement. On va passer sur le 2. Et vous voyez, ça coûte cher. On va l'installer. Là, non. Non, non. Et au cul. Installer le V2. Alors, je me plume. Voilà. Et vous voyez, il faut farmer quand même. Bon, ben voilà, les amis. Hein, on va s'arrêter là. On va repartir à la cafétéria. Bon ben voilà les amis, on va s'arrêter là. Bon, le mode exploration, les missions d'exploration, allez faire la prochaine fois si ça vous plaît. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux. On se dit à très très bientôt. Petite info. Donc une vidéo de Monster Hunter World Iceborne va arriver. Donc ce sera mon premier, mon premier boss. Il me l'a montré en plus, le boss. Et ce sera mon premier vrai boss. Et voilà, et elle sera postée courant de la semaine. Et je vous dis à très très bientôt. Sachez une chance que vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.